ensemble et se réjouissent dans les cieux, les sons qui ont suivi les traces du Christ, et parce qu'ils ont répandu leur sang pour son amour, ils sont dans l'allégresse avec lui pour l'éternité. Bonjour et bienvenue à vous qui êtes réunis ici dans la crypte de l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Nous faisons mémoire aujourd'hui de martyrs au Japon, Paul Miki et ses compagnons. Ils furent béatifiés en 1627 par Urbain VIII et canonisés sous Pie IX en 1862. Au moment de nous approcher de la table du Seigneur, rappelons-nous qu'il prend soin des humbles et des pauvres. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui est la force de tous les saints, tu as appelé Paul Miki et ses compagnons à passer par la croix pour rentrer dans la vie. Accorde-nous de garder comme eux jusqu'à la mort la foi que nous proclamons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des Rois. Salomon rassembla auprès de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des fils d'Israël, pour aller chercher l'arche de l'Alliance du Seigneur dans la cité de David, c'est-à-dire à Sion. Tous les hommes d'Israël se rassemblèrent auprès du roi Salomon au septième mois, durant la fête des tentes. Quand tous les anciens d'Israël furent arrivés, les prêtres se chargèrent de l'arche. Ils emportèrent l'arche du Seigneur et la tente de la rencontre avec tous les objets sacrés qui s'y trouvaient. Ce sont les prêtres et les lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et avec lui toute la communauté d'Israël qu'il avait convoquée offrit en sacrifice devant l'arche des moutons et des bœufs. Il y en avait tant qu'on ne pouvait les compter. Puis les prêtres transportèrent l'arche à sa place dans le sanctuaire qu'on appelle le Saint des Saints. Ils la déposèrent sous les ailes des kérubim. Ceux-ci étendaient leurs ailes au-dessus de l'emplacement de l'arche. Ils abritaient l'arche avec ses barres. Dans l'arche, il n'y avait rien, sinon les deux tables de la loi que Moïse y avait placées quand le Seigneur avait conclu alliance avec les fils d'Israël au mont Horeb à leur sortie d'Égypte. Quand les prêtres sortirent du sanctuaire, la nuée remplit le temple du Seigneur et à cause d'elle, les prêtres furent obligés d'interrompre le service divin. La gloire du Seigneur remplissait le temple. Alors Salomon s'écria, « Le Seigneur a décidé d'habiter la nuée obscure. Et maintenant, je t'ai construit, Seigneur, une demeure divine, un lieu où tu résideras éternellement. » Parole du Seigneur. «
Lève-toi, Seigneur, viens vers ta demeure. Lève-toi, Seigneur, viens vers ta demeure. Souviens-toi, Seigneur, de David, de sa promesse au puissant de Jacob. J'interdirai tout sommeil à mes yeux avant d'avoir trouvé un lieu pour le Seigneur. Entrons dans la demeure de Dieu, prosternons-nous aux pieds de son trône. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. Que tes prêtres soient vêtus de justice, que tes fidèles crient de joie. Pour l'amour de David, ton serviteur, ne repousse pas la face de ton Messie. Lève-toi, Seigneur, viens vers ta demeure. Alléluia, 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 alléluia. Jésus proclamait la bonne nouvelle et guérissait son peuple de toute maladie. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples, ayant traversé le lac, abordèrent à Génézareth et accostèrent. Ils sortirent de la barque et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à transporter les malades sur des brancards là où l'on apprenait sa présence. Et dans tous les endroits où il était, dans les villages, les villes ou les champs, on déposait les infirmes sur les places. Il suppliait de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs de la foi, chers téléspectateurs et téléspectatrices, à Noël, nous avons célébré le Dieu avec nous, l'Emmanuel. Et parce que ce matin, nous sommes réunis en son nom, Jésus nous l'a dit, Dieu est au milieu de nous. Mais quand nous regardons le monde d'aujourd'hui, il est facile de se dire que Dieu est absent. Certains grands penseurs l'ont fait. Mais pour arriver à cette conclusion, ne faut-il pas avoir cherché, espéré peut-être, la présence de Dieu? Il ne suffit pas de le déclarer absent ou même mort, comme certains l'ont proclamé, pour que la quête, la recherche de Dieu s'arrête. Elle existe depuis la nuit des temps et dans toutes les cultures. Les lectures que nous venons d'écouter et le psaume que nous avons chanté nous en donnent deux exemples. Quand Salomon, comme on l'a vu dans la première lecture, fait transporter l'arche de l'Alliance dans le temple, c'est l'aboutissement d'une longue démarche. Dans le désert, le Seigneur avait déclaré son désir de venir habiter au milieu de son peuple. Ce désir avait pris la forme d'une arche qui était transportée de lieu en lieu, jusqu'à l'installation définitive sur la terre promise. Mais David lui-même avait dit qu'il fallait une maison pour le Seigneur.
Son fils Salomon réalisera ce rêve. Cette maison permet à la promesse de Dieu de se réaliser, mais elle est aussi un signe fort pour le peuple. Si Dieu habite au milieu des siens, que pourrait-il craindre? À condition cependant qu'il reste fidèle à l'Alliance, à ce qui était écrit sur les deux tables de la loi que Moïse reçut de Dieu. Pour ceux et celles qui reconnaissent en Jésus l'envoyé de Dieu, l'Évangile que nous avons proclamé, que nous venons d'écouter ensemble, présente un signe tout à fait nouveau de la présence du Seigneur au milieu des siens. Il ne s'agit pas d'un lieu qui repose au sanctuaire, insensible à ce qui se passe sur la terre, mais d'un Dieu qui se fait proche, d'un Dieu qui se fait proche comme on l'a annoncé à Noël et qui va vers les pauvres, les malades, les démunis. La forme de présence de Dieu parmi les siens peut donc changer, se renouveler, s'adapter. Si le Seigneur nous paraît si absent aujourd'hui, comme certains le disent, c'est peut-être parce que nous n'avons pas compris sous quelle forme Dieu habite au milieu de nous. Des saints comme saint Paul Miki et ses compagnons japonais et espagnols que nous célébrons aujourd'hui ont donné leur vie pour témoigner de cette présence. Ils ont compris que la demeure du Père n'est pas faite d'abord de pierre où habiterait un Dieu lointain et froid. La présence de Dieu, elle est là où quelqu'un a besoin d'être relevé, libéré, guéri. Et c'est Dieu qui par nous agit en leur faveur, en nous inspirant d'apporter notre aide et nous donne la force et le courage d'aller jusqu'au bout de notre engagement. Que leur intercession à ces saints japonais et espagnols nous aide nous-mêmes aujourd'hui à découvrir encore mieux cette présence de Dieu au milieu de nous et qui nous aide à agir en faveur des pauvres, des démunis, comme Jésus l'a fait constamment tout au long de sa vie. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice aujourd'hui trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en faisant mémoire de tes saints martyrs. Et nous qui sommes tes serviteurs, rends-nous inébranlables dans la confession de ton nom, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites l'homme pécheur à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils Jésus notre Seigneur, un lien nouveau si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes dans le Christ de reprendre souffle en se tournant vers toi et d'être au service de tout être humain en se livrant davantage à l'Esprit Saint. Plein d'admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut dans le Christ. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'être humain, afin de le rendre saint comme toi-même es saint, regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit, que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes fils. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain. Il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui, par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ, qu'ils deviennent ensemble par la force de l'Esprit
le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur avec le pape Benoît, notre évêque Jean-Claude. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie, de Saint Joseph, son époux, des apôtres, de Saint André Bessette, avec nos frères et nos sœurs qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérée de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. L'antienne de la communion. À ceux qui ont tenu bon avec lui dans les épreuves, le Seigneur déclare, « Je dispose pour vous du royaume, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume. »
Prions le Seigneur. Tu fais briller en tes martyrs, Seigneur, la splendeur du mystère de la croix. Maintenant que nous sommes fortifiés par ce sacrifice, accorde-nous de rester toujours unis au Christ et de travailler dans l'Église au salut de tous les humains par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Signe de la présence de Dieu que nous venons de vivre, désormais, c'est à nous qu'il appartient de manifester cette présence au quotidien. Allez dans la paix et la joie du Christ. Amen.